Isabelle, tu as peur de quoi? De tout. De tout, ok. De l'abeille. Des abeilles. Des abeilles, ah bah on va en parler justement. Vous le savez tous que si elles vous piquent, elles meurent. Voilà, exactement. Donc on va mélanger des céréales et des légumineuses dans les parcelles. Et l'autre groupe, lui, il va, le temps qu'on fasse ça, il va aller chercher du broyat. En bas. En bas, il y a la... Du thym, des fèves, du blé. Il va y avoir un pied de marjolaine qui fleurit plein de petites fleurs et qui sent très bon. Les abeilles, elles ont de l'odorat, elles vont le sentir, elles vont venir. Et là, on a mis blé et fèves. Alors ça, c'est pas un oignon, ça c'est un oignon. Et ça, c'est quoi votre avis? Et pinard. Non. Échalote. Où déjà? Encore. Alors attends, c'est un peu. Ah oui, c'est un c'est parce qu'elle est grasse en dessous. Elle est mouillée. Vas-y. Mais où, viens, là, c'est bon, c'est assez grand. C'est pas quand tu le mets dans le bon sens. Voilà, super. Maintenant, tu peux boucher. On a eu peur. T'as peur de quoi? Qui te mange? Il est mignon. Alors justement, je voulais vous le montrer parce que plein de gens sont comme le petit jeune homme. Ils en ont peur et souvent ils l'écrasent. Si vous regardez bien, il a déjà 6 pattes à l'avant. C'est une larve de scarabée rhinocéros. Pour qu'on ait des petits copeaux comme ça. En partant de gros bouts comme ça, c'est lui qui nous les mange. Que tu peux le toucher. Ne l'écrase pas, hein. Ne bougez pas. Je peux le toucher. Mais bien sûr, vous pouvez. C'est doux. C'est pas grave. Enfin, on va devoir y aller parce qu'il est 11h moins 5.